Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Yorick, le berger des âmes perdues. Pour quelqu'un qui vient des îles obscures, Yorick est plutôt gentil. Cet ancien moine veut simplement libérer les âmes piégées dans la brume noire depuis un millier d'années et, pour accomplir cette mission sacrée, il est prêt à se salir les mains. Yorick porte le fardeau d'un millier d'âmes damnées qui tourbillonnent dans la cape sombre accrochée à son dos. Le berger utilise ses esprits pour combattre ceux qui se dressent sur son chemin. Ça ne leur plaît peut-être pas, mais Yorick s'en moque. Il ne reculera devant rien pour gagner, même s'il doit vendre un peu de son âme pour ça. Nos âmes sont un maigre prix à payer pour purifier cette terre. Le passif de Yorick est berger des âmes. Quand des monstres ou des sbires ennemis meurent près de lui, il laisse parfois une tombe derrière eux. Quand c'est un champion ennemi, une tombe est créée à coup sûr. Les tombes persistent jusqu'à ce que Yorick s'éloigne. Mais à quoi servent ces tombes? Eh bien, préparez-vous à frissonner d'effroi. Le A de Yorick se divise en deux compétences distinctes, dernier sacrement et exhumation. Dernier sacrement renforce la prochaine attaque du berger, qui inflige des dégâts supplémentaires et restaure quelques PV. Si Yorick a moins de la moitié de ses PV, la régénération est doublée. Si dernier sacrement tue une cible, une tombe est créée. Avec au moins 3 tombes à proximité et quand dernier sacrement est en récupération, Yorick peut lancer exhumation pour faire apparaître des goules de brume. Les goules de brume se comportent comme des sbires. Mais vous ne pouvez en invoquer que 4 à la fois, et elle meurt si elle s'éloigne trop de Yorick. Sans doute l'appel de la tombe? Si Yorick veut s'imposer en face de Lening, il doit attendre d'avoir créé un véritable cimetière avant d'engager le combat. Ici, Irelia se fait avoir en restant trop près des tombes de Yorick. Après avoir invoqué ses ghouls, Yorick les suit pour infliger des dégâts supplémentaires et regagner quelques PV, ce qui lui donne l'avantage. Le Z de Yorick est Sombre Cortège. Il fait apparaître un amas de cadavres surgissant du sol pour former un mur qui encercle la zone ciblée. Le mur se décompose seul après quelques secondes, mais il peut être détruit par des attaques de base, qu'on soit piégé dedans ou non. Yorick et ses alliés peuvent librement traverser le Sombre Cortège. Quand vous devez verrouiller une cible clé ou battre en retraite, rien ne vaut un bon vieux cercle de cadavres. Ici, Yorick place le sombre cortège autour de lui pour créer une cage dont il est le seul à pouvoir sortir. Contrairement à Kled, Yorick n'a pas besoin de cordes pour piéger ses ennemis. Le E de Yorick est Brume endeuillée. Yorick lance un globe de brume qui inflige des dégâts et ralentit sa cible. Yorick obtient un bonus de vitesse de déplacement en se dirigeant vers les ennemis marqués par la brume. Mais cette compétence vous permet aussi de diriger les actions des ghouls de brume. Vos ghouls se déplacent plus vite et bondissent vers les cibles marquées pour les harceler jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand vous devez pourchasser votre ennemi, la brume endeuillée est idéale pour lui mettre des bâtons dans les roues. Le seigneur pourpre a failli sortir victorieux de l'affrontement, mais avec la marque de brume, Yorick a pu mettre les PV de Vlad dans le rouge. L'ultime de Yorick est Élégie des îles. Yorick invoque la Vierge de la Brume et au niveau supérieur, plusieurs ghouls de brume apparaissent avec elle. La Vierge se déplace, attaque et pousse sur les voies d'elle-même, transformant tous les ennemis qui meurent près d'elle en ghouls de brume. Elle disparaît quand Yorick meurt, mais contrairement aux ghouls, elle peut s'éloigner de lui sans mourir. Quand tous deux attaquent la même cible, Yorick inflige des dégâts magiques supplémentaires en fonction des PV max de son ennemi. Si le berger engage le combat à portée de la Vierge, elle est assez intelligente pour le suivre et lui apporter son aide. Les dégâts d'attaque bonus octroyés par la Vierge en font un adversaire terrifiant lors des duels. Ici, Yorick n'a pas besoin d'attendre l'apparition de tombe pour attaquer. Il lui suffit d'invoquer sa compagne macabre pour tuer son adversaire. Le duo spectral attaque à l'unisson et Shen ne peut pas leur résister. Quand Yorick attaque un ennemi, il est plus efficace accompagné de sa horde. Ici, Yorick attend d'avoir 4 tombes à portée,
puis utilise Sombre Cortège et libère son armée de ghouls au moment où Gangplank veut achever quelques sbires. Une fois que le fléau des mers est piégé, Yorick lâche sur lui sa horde lugubre avec une bonne dose de brume endeuillée. En face de Lening, Yorick a des fenêtres d'action bien spécifiques pour faire des dégâts. Et si vous laissez passer votre chance, il devient très vulnérable. Ici, le vieux moine est en position de force, mais il rate son E, et les ghouls de brume ignorent la sublime bretteuse. Fiora en profite pour abattre les ghouls, et Yorick reçoit une petite leçon d'escrime. Une occasion manquée peut vite devenir une épée de Damoclès. Yorick excelle lorsque vous voulez profiter de votre avantage après un combat d'équipe. Ici, Yorick garde son ultime jusqu'à ce que son équipe ait éliminé tous les ennemis, puis invoque la Vierge pour que son armée encaisse les dégâts de la tourelle. Grâce au passif de la Vierge, la vague de sbires ennemis finit par se transformer en ghoul menée par Yorick. Avec une toute nouvelle vague de ghouls à ses côtés, l'équipe du berger prend d'assaut l'inhibiteur. En combat d'équipe, Yorick est trop lent pour un dive et s'en sort mieux à l'arrière où il peut protéger ses caries. Ici, Yorick recule au bon moment pour s'occuper des femmes fatales qui l'attaquent par derrière. Il se retourne pour aider sa seconde ligne et administre les derniers sacrements à Fiora. Dès que Sombre Cortège est disponible, Yorick s'en sert pour piéger Ash, qui reçoit une lame boomerang en pleine face. Elle aurait dû baisser la tête. Yorick n'a pas besoin de rester sur une voie pour effectuer un split push. Ici, Yorick voit des ennemis avancer le baron, alors il invoque son amie Hilda sur la voie du bas et la laisse travailler seule. Elle rafraîchit son armée de ghouls de brume chaque fois qu'elle tue un sbire ennemi. Et elle a bientôt un sacré gang qui l'accompagne vers l'inhibiteur du bas. Mais pendant ce temps, Yorick est prêt à rejoindre la fête dans la rivière du haut. L'autre équipe doit donc abandonner le baron ou remporter le combat d'équipe avant que la Vierge ne ravage la voie du bas. Yorick et son équipe gagnent sur les deux tableaux et le berger peut rejoindre son troupeau pour achever la partie. Merci d'avoir regardé ce focus sur Yorick. Cliquez sur le lien ci-dessous pour libérer un flot de ténèbres insondables qui détruira le monde.